notre Père. Nous voulons vraiment te glorifier encore. Ce soir, mon notre Dieu, tu es vraiment bon pour nos pères. Nous rendons gloire à ton nom, notre Maître des âmes, parce que notre Maître a dominé sur nos pères, mais tu es vraiment bon pour ce soir. Tu nous conduis encore aujourd'hui vers notre pâturage, mon Maître bénédictin. Oh, tu éclaires encore nos cœurs davantage vers toi. Et nos yeux ont été ouverts par toi, mon Maître bénédictin. Pour que nous puissions fixer nos regards sur toi, sachant que c'est de toi que nous viennent toujours nous avons besoin, mon sauveur. Oh Dieu, tu es celui qui nous abreuve, nous nous avons soin, mon sauveur. Nous mangeons une heure à toi, mon Maître bénédictin. Comme nous l'avons aussi entendu, mon bénévole Père, qui sont ta parole à toi, et que l'âme à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur. Combien nous sommes environnés de ta grâce encore aujourd'hui, Père, de voir l'amour que tu manifestes par l'endroit de chacun de nos pères. Oh, nous sommes vraiment le coup pour les pauvres pâturages encore, mon sauveur. Que ta main glorieuse puisse en conduire encore en ce jour, notre Dieu. Nous voulons vraiment être attentifs à toi, mon sauveur. Oh, Dieu, avant ton cœur et nos âmes tournés vers toi, Seigneur, afin que tu puisses encore agir en nous comme tu veux, Père. Tu es le divin potier, mon bébé béni, Père. Tu connais la bonne forme que tu es dans ton adévase, mon bébé béni, Père, puissant. Puisse encore agir en nous, mon bébé béni, dans ta liberté, au nom de Dieu. Seigneur, sois-toi libre, mon bénévole Père puissant. Cachis en nous comme tu le veux, Seigneur. Nous connaissons comme tu le veux, mon maître béni, Père puissant. Donne l'obéissance de notre Dieu. Donne encore l'amour et le bénévole pour toi. Te suivre de toi comme toi, tu as donné nos pères. Nous ne voulons plus penser comme nous pensions, mon bénévole Père. Accorde-nous la grâce, mon bénévole Père saint, de penser comme toi, tu veux que nous puissions penser. Merci encore pour les chants et les cantiques, mon Père, qui sont montés encore devant ton temps et date. Nous te remercierons jamais assez pour ce que tu fais. Pour nos pères, pour nos enfants aussi, mon bien-aimé Père Saint, nous chantons les chants des cieux pour ta gloire, et nos cœurs s'élèvent vers toi, notre Dieu, parce que nous savons que tu es le grand Dieu, mon sauveur, digne de louange, mon bien-aimé Père puissant. Nous sommes imparfaits, Seigneur, nous voulons te chanter parfaitement, notre Dieu, dis encore nos cœurs vers toi, mon sauveur. Bénis mon précieux frère que tu as conduit encore ce soir, merci encore pour chacun et chacun, et nous reconnaissons encore, notre Dieu, merci encore pour les psaumes, mon bien-aimé Père Saint, sois notre berger, mon bien-aimé Père puissant, et conduis encore, mon bien-aimé Père Saint. Sois aussi notre soutien pour toujours. Nous avons tellement besoin de toi, Père. Conduis-nous pas encore ce soir, mon sauveur. Nous avons besoin de toi. Tu es réellement le bon berger. Oh, tu connais réellement le chemin, Seigneur. Et le grand pâturage, toi qui le connais, mon maître béni, Père Saint. Nous ne connaissons rien, mon sauveur. Nous avons tous besoin de toi. Et encore ce soir, Père. Et agir encore dans nos cœurs et nos âmes. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu fais pour nos frères, pour nos soeurs, de par le monde entier, dans différents pays, mon béni, mon Père, oh Dieu. La joie de notre cœur va s'approcher aussi à toi, Père. Et la révélation de ta parole à toi, béni, mon Père Saint. Nous rendons gloire à ton nom. Béni sois-tu encore ce soir. Béni nos frères et sœurs sur les coups ce soir. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que les noms du Seigneur soient bénis. Vous pouvez vous mettre ce soir. Nous rendons gloire au Seigneur, notre Dieu, ce qu'il nous a encore donné le souffle de vie encore ce soir. Et nous lui redonnons effectivement ce qu'il nous a donné. Et si nous vivons, c'est pour le servir, c'est pour aussi glorifier son Seigneur. Les jours se passent, mais c'est le sang de foi. Et nous savons que chaque jour qui passe, effectivement, si un jour nous rapproche aussi de notre destination. Un jour viendra où nous serons effectivement aussi dans sa présence. C'est pourquoi nous combattons. Nous combattons le bon combat de la foi pour garder effectivement cette foi dans le Seigneur, comme les saints écritures le disent, une foi qui a été transmise, une foi pour toute personne. C'est cela que nous voulons vraiment trouver la grâce du Seigneur, que ce soit une foi qui vient de lui, une foi qui n'a pas été altérée ni mélangée, mais une foi qui est saine et qui vient réellement. La parole de Dieu qui est aussi un don du Seigneur pour que nous puissions réellement croire de sa parole. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur pour chaque jour qui passe, ainsi pour tous ceux qui l'accomplissent effectivement pour nos frères et sœurs dans différents endroits. Nous pouvons se trouver, comme vous l'avez aussi entendu, notre frère Marcel qui remercie le Seigneur et remercie aussi chacun des frères et sœurs aussi pour les prières qui ont été adressées aussi à son endroit. C'est vraiment que Dieu bénisse notre frère et toute sa famille. Il est toujours très heureux et il aime tellement le Seigneur. Il dit que je ne veux vivre que pour lui. Je veux vraiment que le Seigneur me remplisse ma vie et mon âme, ce que je suis. Alors il me rappelle un témoignage lorsque je l'ai eu au téléphone. Il dit, oh, je me souviens, il dit, Dieu m'a connu une grâce extraordinaire. Il m'a vraiment délivré totalement. Il dit, je souffrais, j'étais dans des situations tellement difficile et j'avais toujours ces problèmes, ces péchés qui me revenaient toujours et
On est béni, mais tenez, lisez, oui, toi, Dieu ne va pas t'abandonner, pas t'abandonner, parce que tu as fait ça, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il dit, tout, j'ai vécu des années avec ça, je ne savais pas comment m'en sortir. Alors il dit, un jour, je suis venu à l'assemblée, et j'étais assis là, et alors tu prêchais la parole de Dieu, puis tu es rentré, effectivement, dans le Sainte Écriture, où tu montrais le pardon de péché. Et moi, l'ennemi me tenait en disant, certainement Dieu ne pourra pas te pardonner. Et tu lui dis, j'avais ce fardeau. Et puis tout d'un coup, tu me regardes, tu m'appelles par mon nom, tu dis, frère Marcel, où sont donc tes péchés? Dieu t'a pardonné. Il dit, depuis ce jour-là, la délivrance totale a eu lieu. Dans l'action du Seigneur, notre Dieu. Ainsi que, aujourd'hui encore, il peut réellement nous appeler par votre nom. Et nous accorder la grâce de réaliser qu'il vit et qu'il agit encore comme au jour d'autrefois, pour démontrer qu'il est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes de ceux par qui le monde peut arriver à pouvoir voir le Seigneur, que le Seigneur est vivant. Et s'il est vivant, c'est qu'il vit effectivement dans ceux qui l'ont reçu, dans ceux qui croient en son nom, comme l'Écriture le dit, que, et s'il consent à donner sa vie, il verra donc une postérité et il prolongera donc ses jours. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment glorifié et qu'il puisse vraiment avoir la domination, la prééminence sur chacun de nous. Et je le remercie parce que vraiment, il agit dans le cœur, il travaille. Encore, je reçois des témoignages et là, c'est notre sœur Séphora et Jésus aussi, qui était donc aussi à l'écoute, qui c'est touchant parce que voyant aussi l'orage et comment aussi ils peuvent arriver à pouvoir apprécier la parole de Dieu, être reconnaissant à Dieu de ce que Dieu a fait pour eux, effectivement, dans leur vie, et aussi les désirs de pouvoir qu'on puisse prier pour eux, pour que le Seigneur puisse les aider à s'accrocher, effectivement. Mais indépendamment, sans que quelqu'un l'ait non obligé, mais le fait d'avoir écouté la parole de Dieu, réaliser effectivement aussi la grâce et la puissance de Dieu dans sa parole qui libère effectivement aussi les captifs. Nous le remercions beaucoup pour ce qu'il fait. Nous pensons aussi à ce que Dieu fait. Et vous, quand vous êtes monté, je pense, ici dans l'Assemblée, vous avez vu un tableau. Quand vous allez dans la salle où vous avez l'occasion de voir, vous retrouvez manger, vous avez aussi deux tableaux. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, ces tableaux que vous voyez dans l'autre côté aussi, je pense qu'il y en a deux ici et puis trois de l'autre côté. Effectivement, ces tableaux que vous avez vus, ce sont des tableaux qui ont été réalisés par notre frère Jean Bosco. Oui, dans la marge d'escalier, puis ici aussi, vous en avez vu, l'idée de l'autre côté là-bas. C'est merveilleux de voir comment Dieu utilise les talents. Amen. Vous ne les avez pas aimés, ces tableaux? Amen. Et j'ai été touché. Il est malade, j'ai été touché quand il m'a parlé en disant que, voilà, le Seigneur m'avait touché, m'avait conduit à pouvoir faire ceci, ceci, cela. Et on voit la différence quand l'homme était dans le monde et quand Dieu a pris, mais son cœur est attaché à lui. Et là, il me dit, bon, je vais voir les tableaux. Je vais te l'apporter. Un jour, il est venu là, il les a apportés. Je regardais, le premier qui m'a touché, c'était Dieu est en marche. Avec l'horloge qui est dans l'île. J'ai dit, comment? J'ai dit, mais comme ça, j'avais cette horloge depuis que j'ai mis. Et puis j'ai été conduit à mettre Dieu est en marche. J'ai dit, c'est merveilleux. Et puis il me montre encore les autres, effectivement. J'ai dit, oh, c'est vrai, j'avais un tableau. Vrai, j'ai dit, oui, un tableau. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est une grâce. Et Dieu s'exprime au tableau. Alors il me dit, voilà ce que je sens dans mon cœur, ce que je vais faire, ce tableau, effectivement. Et puis bon, faire une galerie pour exposer. Et là, les gens vont venir. Je vais leur parler de la parole de Dieu. Je leur faire savoir, voilà ce que Dieu fait, effectivement. Et comme les gens aiment l'art aussi. Et au travers de cela, effectivement, Dieu m'a touché aussi le cœur. Que Dieu soit béni. Et nous a fait don de ces tableaux que vous avez vus, qui ont été exposés là de l'autre côté, effectivement. Que Dieu le bénisse vraiment, qu'il les fortifie et qu'il lui accorde encore davantage la grâce. Et il aime le Seigneur. Nous allons prier pour lui. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons vraiment remercier, nous prier vraiment pour notre frère Jean-Bosco. C'est vrai, c'est extraordinaire de voir ce que tu fais, ce que tu as fait en lui, Père, l'amour qu'il a pour voir pour la parole personne, comment vient dans son cœur avec autant de zèle aussi, de simplicité, il désire s'approcher davantage à toi. Nous te prions, Père, de pouvoir vraiment le bénir, Père, voir aussi comment tu utilises aussi au travers de ses œuvres, au Dieu, les tableaux qu'il a
Seigneur, pour pas perdre peur, qui ont touché aussi vos cœurs, vos bénis des personnes, et que vous pouvez mettre ici en fait que nous pouvons le voir aussi comment tu peux aussi toucher quelqu'un, afin qu'il exprime aussi la grâce de Dieu au travers d'un déchargement qui peut arriver à pouvoir faire peur. Alors que tu le bénisses pour savoir que tu le soutiennes aussi vers ça. Nous te remercions parce que nous prions pour que tu réveilles encore davantage pour voir que tu manifestes encore des dons aux bénis des personnes, afin que cela puisse être notre sécurité aussi pour ta gloire, afin que ton peuple voit aussi par la puissance que tu as placé dans chacun de nos pères. Nous te remercions pour cela, que Dieu bénisse nous. Par nos gloires à ton Seigneur, à toi donc la gloire, la puissance et l'honneur pour ton Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions vraiment notre Dieu de la manière dont il conduit les choses, effectivement, qui dépasse aussi notre façon de concevoir. Vous pouviez vous représenter que Dieu pouvait aussi utiliser quelqu'un dans le tableau. Et c'est cela que. Et quand je regardais comment il a pu faire et puis mettre la croix pour ce tableau dans la salle où vous êtes de l'autre côté là-bas, nous prions, nous avons prié que Dieu puisse lui accorder la grâce. Nous remercions Dieu de ce que nous avons d'autres des frères qui sont aussi à l'écoute dans différents pays. Puis aujourd'hui, cet après-midi aussi, il y a un frère qui s'était longtemps, je n'avais plus de nouvelles, et puis j'ai eu là, il me dit, mes frères, dans un pays, je croyais le Canada, il dit, mes frères, j'ai tué toujours en ligne et je vous suis. Toujours, c'est pour réaliser combien nous ne réalisons pas, combien des frères et des sœurs de par le monde, dans différents pays, différents coins, écoutent la parole de Dieu et chacun se retrouve. Et comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire, parfois vous asseyez, vous écoutez la parole de Dieu, vous dites, ben, c'est ça ne me concerne pas. Je vous ai toujours fait savoir effectivement que ce que vous voyez, c'est une partie de ceux qui... Le Seigneur est en train de pouvoir réellement auquel Dieu parle. Amen. Donc si vous, ça ne vous dit rien, mais de l'autre côté, effectivement, les autres, en réalité, ils sont conscients. Et j'ai été moi-même touché par le témoignage que notre frère de l'Irlande nous a donc envoyé. Il a donc écrit en anglais. J'avais donné à demander qu'on donne à notre jeune sœur ici, Mary, qu'elle puisse le lire. Et moi, j'ai la copie ici. Je voudrais que... Elle est où, Mary? Je voudrais qu'elle vienne, si elle est déjà, merci beaucoup, je voudrais qu'elle vienne, si elle se sent prête, effectivement, de manière à ce qu'elle nous lise là et nous traduise en même temps, si en ceci je le dirais. Ça va aller? Ok. Alors c'est notre frère Marco, vous allez l'entendre effectivement lui-même, son témoignage. J'ai voulu qu'on le lise en anglais, parce qu'il y en a de ceux qui sont les anglophones aussi, qui suivent aussi, et va lire un peu quelques portions en anglais, et puis elle traduit aussi. Et s'il y a un problème, on peut demander et après tout. Donc nous allons écouter donc les témoignages de notre frère Marco de Lira. God bless you once again, man of God. I was aware of your recent missionary trip to Jamaica, and regarding me, coming over will be planned once I have my passport, as I have none for the time being. But I, over a couple of months ago, started with its application from Angola and still expecting the outcome of it, hopefully in few weeks' time, by the grace of God. I would like to share with you this time around this little testimony, as I may call it, which has happened to me twice over while watching your online sermons. Once it was last year while I was still living in a hostel in Limerick, and secondly last Thursday inside my apartment here. The first time, sometime last year, unfortunately, I did not take it seriously, as I thought it just happened by chance. What took place is, a certain evening during weekdays, I was before my laptop, as usual, watching the online church service. Once you came to the pulpit, after a while, you started reading in the book of Psalms, and I had my French Bible with me handy. But before you start reading, I don't remember what distracted me that made me stood up and came back after a short while. Unfortunately, you had already started reading and I was not sure which chapter nor the verse it was, but all I knew it was somewhere in the book of Psalms. However, I opened my Bible in the book of Psalms, searching here and there, trying to catch up with your reading, but in vain, as I had no idea regarding the specific chapter. I was lost, so I got weary of searching. Then I said to myself, let me just leave it and listen. However, I opened my Bible in the book of
Psalms, searching here and there, trying to catch up with your reading. But in the very time that I had decided to put my Bible down on the table in front of my laptop, in the very time, you paused and you repeated again the specific chapter, including the verse. Then I reopened my Bible and caught up with the reading all the way to the end, which that time made me laugh, saying inside my heart, how is this possible? Who has told this brother on the screen that I have been searching for this? The Almighty God of heaven is my witness, and he knows what I am talking about. The same evening the above happened, I decided to share it with you right after the sermon or sometime later. But I said to myself, there's no point, because I thought afterwards it was just something random which just happened by chance and forgot all about it. Secondly, the most recent one, similar to the above, took place last Thursday afternoon. I was at home and realized it was nearly time for the online service. I then went online, but I noticed that there was no video available by then, so I said myself, you may be experiencing the technical issue, then I decided to start making my dinner. But after a while, I heard a sound from my laptop, the voice of the brother in glasses who usually leads. That made me realize that the online sermon has started. Then I came back sitting on the sofa before the laptop and started watching. Minutes later, you joined the pulpit. Right a while after that, I noticed that my dinner on the cooker started to boil over. As I noticed that the pot that I was using for that was too small, then I stood up and decided to swap the content into a bigger pot and went back to sit on the sofa and resumed to watch the sermon. But in the same time, you started reading the Bible in the book of Acts. As I heard you mentioning the book of Acts, while I was in the kitchen, and I think that I remember the chapter as well, but I got mixed up about the verse. In the same time, inside me, something reminded me that this same thing happened to me months ago in Limerick, but that time, same reader paused to specify the chapter along with the verse. I then opened my Bible in the book of Acts, as I remembered the chapter 13, and started searching for the verse in order to catch up with the reading. And in the very same time, just the same as above happened again, you straight away in the very same time paused again and specified the chapter and verse that you were about to read, the verse in the book of Acts 13. This took place last Thursday at 7:39 p.m. here in Ireland, an hour earlier than Belgium, as I straight away reached my pen and wrote down the time that the event took place and the very chapter and verse. Right after the above, a fear invaded me completely inside my closed apartment and I was in tears. It affected me all the rest of the day, even while driving to a night work miles away from my town. I was asking to myself, who will ever believe this? And I said to myself that I made a big mistake for not informing Brother Lithese the very first time this happened. However, I decided doing so, but later on something kept saying in my mind that it might have been by chance, and now the same thing has happened again for the second time, and this time I have to report this regardless of what people may think of it, as long as God knows that it's true, as also may God forgive me, as I should have reported this the very first time last year. Because if the same fact has repeated for the second time, therefore it is not by chance, as I thought before, but a message from God that it is worthwhile that we be connected as he blesses us through that. Yes, no, you can. Yes, go ahead. Que Dieu vous bénisse encore, homme de Dieu. J'étais au courant de votre voyage missionnaire récent au Jamaïque et concernant ma venue là-bas, ça sera planifié dès que j'aurai mon passeport, car pour le moment, je n'en ai pas. Mais j'ai commencé il y a quelques mois la procédure de cela en Angola et j'attends toujours le résultat, peut-être dans quelques semaines par la grâce de Dieu.
J'aimerais partager cette fois avec vous ce petit témoignage, comme je pourrais l'appeler, ce qui m'est arrivé deux fois de suite pendant que je suivais vos sermons en ligne. Une fois, c'était l'année passée, quand je vivais encore dans un hôtel à Limerick, et la deuxième fois, c'était le jeudi passé dans l'appartement ici. La première fois, l'année passée, malheureusement, je n'avais pas pris ça au sérieux, car je pensais que c'était juste arrivé par chance. Ce qui s'est passé, c'est que une soirée pendant la semaine, j'étais devant mon ordinateur portable, comme toujours, suivant le service de culte en ligne. Une fois vous êtes monté à la chaire, après un moment, vous avez commencé à lire dans le livre de psaumes et j'avais ma Bible en français près de moi. Mais avant que vous puissiez commencer à lire, je ne sais pas ce qui m'avait distrait, qui m'a fait lever et je suis revenue après un moment. Malheureusement, vous aviez déjà commencé à lire et je n'étais plus sûre du chapitre ou du verset. Mais tout ce que je savais, c'est que c'était quelque part dans le livre de psaumes. Malgré tout, j'ai ouvert ma Bible dans le livre de psaumes, cherchant par-ci et par-là, essayant de me rattraper avec votre lecture, mais en vain, vu que je n'avais pas d'idée sur le chapitre dont il s'agissait. J'étais perdue alors, je me suis lassée et je me suis dit, je laisse tomber, j'écoute seulement. Mais à la même minute que j'avais décidé de déposer ma Bible sur la table devant mon ordinateur, à la même minute, vous vous êtes arrêté et vous avez encore répété le chapitre ainsi que le verset. Et puis j'ai rouvert ma Bible et me suis rattrapée avec la lecture jusqu'au bout. Qui à ce moment-là m'a fait rire, je me disais au-dedans de moi, comment est-ce possible? Qui a dit à ce frère à l'écran que j'étais en train de chercher ça? Le Dieu Tout-Puissant du ciel m'est témoin et il sait de quoi je parle. Dans la même soirée, ça s'est répété encore. J'ai décidé de partager cela avec vous juste après le sermon ou quelques temps plus tard, mais je me suis dit ça ne sert à rien. Parce qu'après, j'ai pensé que c'était juste quelque chose d'aléatoire qui s'est juste passé par chance et s'est déjà oublié. Des minutes plus tard, vous avez rejoint la chaire. Juste un instant après ça, j'ai réalisé que mon dîner qui était au feu avait commencé à déborder. Quand j'ai vu que la casserole que j'utilisais pour ça était trop petite, je me suis levée et j'ai décidé de mettre la nourriture dans une autre casserole. Now your testimony, you forgot something, I think. And secondly, the most recent one similar to it both took place last Thursday afternoon. You forgot to translate that. Oh yeah. Remember? Yeah. Can you read it again? Just to the translation. Yes. That was the second testimony, I think. The second part, you see, similarly the most recent one similar to the both took place last Thursday afternoon. You remember already to read it away? Yes, but I forgot to translate. Yes, do it please. But you need it. But I think that you forgot just to say that event took place last Thursday afternoon. You need a translation, right? Yeah? I can't find it. You can't find it? No. But you need it, you know. What did you stop? When reading this, when did you stop? I stopped at la casserole. Yes. So that was this was really what he was making his dinner. So can you just start your reading from the Almighty God of Heaven is my witness, and He knows what I'm talking about. Remember? Mm-hmm. Yes. Start there. Just go ahead. In French? Yes, please. Le Dieu Tout-Puissant du ciel m'est témoin et il sait de quoi je parle. Dans la même soirée, ça s'est répété encore. J'ai décidé de partager cela avec vous juste après le sermon ou quelques temps plus tard. Mais je me suis dit, ça ne sert à rien parce qu'après, j'ai pensé que c'était juste quelque chose d'aléatoire qui s'est juste passé par chance et s'est déjà oublié. Yeah, that is where you have to say. Secondly, the most recent one similar to the book. Is remember? That is the place. Yes, you did it. Yes, go ahead. Just go ahead, Barry. What did you say? I think I forgot to translate the part. Yes. Des minutes plus tard, vous avez rejoint la chaire. Juste un instant après ça,
J'ai réalisé que mon dîner qui était au feu avait commencé. Et là, c'est en fait le témoignage, deuxième partie du témoignage, pour ce qui s'est passé, je pense, la deuxième fois, c'était donc le jeudi passé, jeudi après-midi, hein, c'est ça. Last Thursday afternoon. Mm. Yeah. Last Thursday afternoon, I was at home. J'étais à la maison et j'ai réalisé qu'il était presque l'heure pour le service en ligne. Je suis allée en ligne, mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas encore la vidéo. Alors je me suis dit que peut-être ce sont des problèmes techniques. J'ai donc décidé d'aller faire mon dîner. Mais après cela, j'ai entendu un son de mon ordinateur portable. Je crois que c'était la voix du frère avec des lunettes. Le frère Christian. Et j'ai réalisé que le service en ligne avait commencé. Alors je suis retournée m'asseoir sur le canapé avec mon ordinateur et j'ai commencé à suivre. Des minutes plus tard, vous avez rejoint la chaire. Juste un instant après cela, j'ai réalisé que mon dîner qui était au feu avait commencé à déborder. Comme j'ai vu que la casserole que j'utilisais pour ça était trop petite, après, je me suis levée et j'ai décidé de mettre la nourriture dans une autre casserole plus grande. Et je suis retournée m'asseoir sur le canapé et j'ai recommencé à suivre le serment. Mais au même moment, vous avez commencé à lire la Bible dans le livre des Actes. Comme je vous avais entendu mentionner le livre des Actes pendant que j'étais dans la cuisine. Et je crois que je me suis souvenue du chapitre également, mais je me suis perdue pour le verset. Au même moment, au-dedans de moi, quelque chose m'a rappelé que la même chose s'était passée des mois passés à l'Amérique, mais à ce moment-là, le même lecteur s'était arrêté pour spécifier le chapitre avec le verset. J'ai alors ouvert ma Bible dans le livre des Actes, comme je me suis souvenu du chapitre 13, et j'ai commencé à chercher le verset afin de me rattraper avec la lecture. Et exactement au même moment, la même chose ci-dessus s'est reproduite. Vous vous êtes arrêté encore et avez insisté sur le chapitre et le verset que vous alliez lire dans le livre des Actes 13. Cela s'est produit le jeudi à 19h30 ici en Irlande, une heure plus tôt qu'en Belgique, comme j'ai directement pris mon stylo et j'ai noté l'heure à laquelle l'événement s'est produit et le chapitre et le verset. Juste après tout ça, une crainte m'a complètement envahie dans mon appartement fermé et j'étais en larmes. Ça m'a touchée tout le reste de la journée, même pendant que je conduisais vers mon travail de nuit à des kilomètres de ma ville. Je me demandais qui pourrait croire cela. Et je me suis dit que j'ai fait une grande erreur en n'informant pas le frère les fessés la toute première fois que cela s'est produit. J'ai quand même décidé de le faire. Mais plus tard, quelque chose dans ma tête me disait que ça pourrait avoir été par chance. Et maintenant, la même chose s'est reproduite pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, je dois lui dire, peu importe ce que les gens peuvent en penser, tant que Dieu sait que c'est la vérité, de même que Dieu puisse me pardonner, car je devais le dire la toute première fois l'année passée, car si la même chose s'est répétée, ce n'est donc pas par chance, comme je le pensais, mais un message de Dieu que c'est important que nous soyons connectés, car il nous bénit à travers cela. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu te bénisse. C'est merveilleux d'avoir cette enfant. Amen. Marie est une bénédiction. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait de pouvoir. Et cela, ce que nous pouvons réaliser, que notre Seigneur est vraiment merveilleux. Le frère, il est loin. C'est bon que nous réalisons aussi que pendant que nous nous tenons là, que nous écoutons, nous n'avons pas affaire à quelque chose qui a un rapport avec l'homme, mais nous avons affaire à Dieu qui parle et qui nous éclaire et qui nous enseigne et qui nous conduit aussi. Il est loin. Ce qui est touchant, c'est que il est là, en Irlande, aussi loin, et nous sommes ici. Et là, il était en train de pouvoir suivre donc la prédication et à certains moments, il a eu un problème avec la suite des chapitres, versets, il ne se retrouvait pas. Et voilà qu'il était tellement perturbé, c'est un peu résumé. Et il prend donc sa Bible, il dit, mais je ne sais pas retrouver les psaumes qu'il a lus, effectivement, pour que je puisse ouvrir la lecture et puis de suivre. Effectivement, il dit, bon, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Et puis, il a laissé sa Bible, effectivement, déposer la Bible.
Et il était perturbé. Au moment où il dépose la Bible avec son problème, c'est à ce moment-là que c'est lui qui apporte la parole, il s'est arrêté, il lui donne le chapitre et les versets et la prédication continue. Il s'est dit, mais c'est peut-être par hasard que le frère s'est arrêté comme cela pour pouvoir s'arrêter et me donner les chapitres et les versets que j'avais besoin. Et ça s'est passé une fois, quand il était donc en Amérique, et puis deuxième fois dans son appartement, donc jeudi passé, je pense. Et les chapitres ont été lus, et les versets ont été lus, effectivement. Et voilà qu'il était occupé à pouvoir faire sa cuisson, effectivement. Mais bon, il a un peu mélangé les choses qu'il ne savait plus très bien. Et la même chose se répète au moment où il reprend sa Bible, il veut chercher à pouvoir savoir effectivement quel verset. Et puis, paf, on lui donne effectivement le chapitre et le verset. Et cela, à partir d'ici. C'est pour que nous réalisons qu'effectivement, que nous avons affaire à ce que Dieu est en train de pouvoir travailler pour que nous, nous soyons conscients de ce que nous recevons. Et c'est vrai qu'il s'est posé la question, mais qui peut avoir dit à cet homme que moi j'ai besoin que je cherche tel chapitre et verset et qu'il puisse s'arrêter pendant qu'il prêche pour donner effectivement aussi le chapitre et verset. Aussi, c'est arrivé une fois, il a dit c'était très, on peut dire bon, mais c'est par hasard. Mais cela, ça arrive deux fois et dans la même condition. Ce que nous réalisons quand même que c'est Dieu et comme il le fait savoir. C'est aussi pour nous quand même un message. Comme il fait le savoir, effectivement, que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Peut-être que pendant tout ce temps que nous avons eu à pouvoir entendre la parole pour les uns, c'était bon, ça c'est peut-être l'homme, c'est peut-être pas Dieu, ainsi de suite. Mais je crois qu'au travers de tout ce temps que nous avons écouté, parce que j'ai reçu aussi des appels, aussi des emails, combien beaucoup de frères et de sœurs pendant ce temps ont été vraiment aussi touchés par la parole et aussi éclairés davantage par le Seigneur. De manière à ce qu'ils puissent aussi être positionnés dans les choses de Dieu et prendre position pour ce que Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à pouvoir penser que c'est l'homme qui dit parce qu'il pense. Nous devons réaliser effectivement que c'est Dieu qui nous parle et que nous sommes maintenant dans la phase du jugement. Lorsque Dieu nous parle et que nous, nous réagissons contrairement à ce que Dieu nous dit, ce que nous devons être conscients que nous ne sommes pas des dieux. Et ça, c'est quelque chose que nous devons... Et c'est pour moi-même aussi, c'est très touchant, parce que quand j'ai... Et c'est là que quelque chose a illuminé, lorsque nous avons lu dans le livre des Actes, chapitre 13, je pense, où Paul et Barnabas disaient ceci, que puisque vous rejetez la parole de Dieu, donc vous jugez vous-même indigne à la vie. Je ne sais pas si vous avez vraiment prêté attention. C'est vrai que nous lisons, et cela, c'est devenu une sorte de coutume, en fait. Ou d'habitude, et puis, et ça passe effectivement. Je vais quand même le relire un peu cette écriture. Je pense que c'est peut-être cela que le frère a fait aussi référence dans son témoignage, comme le Seigneur l'avait réellement compris. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, je pense cela, il dit, verset 44, il dit, « Le sabbat suivant, parce que toute la ville s'est rassembla pour entendre la parole de Dieu, le juif, voyant la foule, fut rempli de jalousie et il s'opposait à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Vous vous souvenez encore? Amen. Et nous avons entendu pendant ça, tous ensemble, nous avons entendu que là, le Seigneur a fait sortir tout le monde. Mais en fait, eux, ils pouvaient le dire par la bouche extérieure en disant qu'ils contredisaient effectivement en l'injuriant. Mais nous, en fait, c'est même en étant ainsi. Dans notre cœur et dans notre esprit, quand on écoute la parole qui est donnée, effectivement, on combat la parole, en fait. Je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que c'est si, c'est comme ça. En fait, on rejette, on contredit. En fait, on a l'impression qu'on contredit la personne, on contredit l'homme, effectivement, comme il le disait, effectivement, ici. Il regardait Paul et Barnabas, effectivement, c'est contre eux qu'ils voyaient, effectivement, que oui, et ils insultaient Paul et Barnabas, effectivement. Mais en fait, ce n'était pas Paul et Barnabas, c'était Dieu. Dieu qui était en train de pouvoir agir dans ces hommes. Parce que je crois que si nous nous souvenons encore, nous avons entendu le verset suivant, il dit, « Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le païen. » Donc, effectivement, c'était Dieu qui me fascinait, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter, effectivement, le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous devons vraiment
faire très très attention. Je voudrais que vous voyez quelque chose dans les Saintes Écritures. Parce que, comme nous l'attendons aussi souvent, nous ne sommes pas comme les autres églises, nous ne sommes pas comme les autres peuples. Effectivement, les Saintes Écritures nous montrent que nous, nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous avons eu la grâce dans ces temps dans lesquels nous vivons, que la lumière du Seigneur nous a été donc aussi manifestée, et nous avons été de ceux-là dont le cœur ont été touchés, parce que l'appel du Seigneur, nous l'avons entendu. Nous avons aussi lu cela dans 2 Corinthiens chapitre 6 aussi, qui nous montrait comment le Seigneur nous parlait effectivement pour que nous sachions en réalité quelle était la position que nous avions, nous, en tant que fils de Dieu, en tant que peuple de Dieu, pour que nous soyons réellement ses enfants, la séparation entre réellement aussi la lumière et les ténèbres, effectivement. Donc, nous devons être conscients de ce temps de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, parce qu'il répète effectivement aussi dans Hébreux au chapitre 4, je vais lire chapitre 3 et 4, je pense que chapitre 3 dit, il dit, aujourd'hui donc, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs, en fait, il dit, comme au jour d'autres fêtes. Il nous donne aussi aujourd'hui parce qu'il parle, il connaît la nature de l'homme, effectivement. Il connaît aussi la tête de l'homme et comment les choses, effectivement, travaillent. Mais il nous parle pour que nous sachions que c'est aussi un temps de la grâce. Je vais vous montrer quelque chose dans les Saintes Écritures. Est-ce là dans le livre de Romains, je crois. Je pense que c'est ce Romain. Regardez cela dans Romains. Je suppose que c'est chapitre. Oui. Et c'est dans Romains au chapitre 11, je ne sais pas si c'est ça. Je vais faire une portion de l'écriture pour que vous puissiez penser. Oui, c'est ça. Mais voilà, merci. Regardez, je vais lire avec vous Romains chapitre 11 et je vais lire verset 7. Je vais lire beaucoup, juste simplement quelques écritures. Romains 11, verset 7. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il n'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. C'est donc qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, deux yeux pour ne point voir et deux oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, et que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Vous savez, nous avons eu à pouvoir toucher à un mot, effectivement, mon rapport avec Israël, et il y a un temps de cela, comment, effectivement, Dieu arrive à pouvoir opérer, et comment aussi le Seigneur arrive à pouvoir montrer sa fidélité et son amour à l'endroit d'Israël, parce que les promesses, réellement, étaient aussi faites à ce peuple-là, comme l'Écriture l'ont témoigné, et c'est dans cette contrée, effectivement, que devait venir effectivement celui que Dieu avait fait comme promesse, c'est-à-dire le Messie. Et la Bible nous dit qu'il est venu chez le sien et le sien ne l'ont point reçu. Vous connaissez cela et comment aussi ils ont eu à pouvoir réellement agir à son endroit. Si nous regardons très bien, frères et sœurs, ce peuple était vraiment un peuple tout à fait particulier parce que l'élection de Dieu s'est faite pas pour les Égyptiens, ni pour les Assyriens, ainsi de suite, mais l'élection de Dieu s'est faite pour le peuple d'Israël, à partir effectivement d'Abraham, leur père, et aussi de Jacob, comment ils ont descendu effectivement en Israël, et comment Dieu leur a fait sortir effectivement de cela, puisqu'il a dit, ne touchez pas, mais ouais, ne faites pas les prophètes, effectivement, Dieu veillait sur ce peuple qui était son peuple, jusqu'à voir même le placer effectivement dans le pays de la promesse, et il leur a donné les alliances, il a donné aussi le patriarche, les lois, et il a instruit, effectivement, ils avaient des prophètes. Il n'y a aucun pays sur la terre
qui a pu avoir la bénédiction de Dieu comme Israël n'a. Il n'y a aucun pays aujourd'hui sur la terre. Vous savez, nous vivons dans des pays comme ceux que nous vivons, ainsi de suite, mais il n'y a aucun pays qui soit comparable en fait à Israël. Parce que Dieu a parlé d'Israël en disant que c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc un pays dont Dieu a le regard tous les jours. Et même c'est là que la Bible nous rend témoignage que Dieu a choisi une ville dans laquelle il a voulu que son nom soit mis dedans. Si on, il n'y a pas un pays sur la terre dont Dieu du ciel a pu choisir une ville comme cela. Donc c'est Jérusalem, la ville effectivement de grand roi, comme vous le savez. Et c'est là que Dieu a eu à pouvoir aussi envoyer des prophètes et des hommes de Dieu effectivement pour réellement ce peuple. C'est pour que nous puissions comprendre que c'était un peuple béni, un peuple consacré à Dieu, effectivement, auquel les promesses ont été faites de loin et la parole de Dieu a été donnée. Parce que aujourd'hui, si nous pouvons avoir la parole de Dieu, mais ça ne vient pas de vous, ça vient d'Israël. Mais c'est ce que le Seigneur a dit. Je crois que je pense dans le livre de Jean, je pense. Hein, Jean, chapitre 4. Et bien cela, Jean chapitre 4, je pense que c'est ça. Jean chapitre 4, c'est ça. Jean chapitre 4, je pense que c'est ça. Nous disons ici. Pour lire ce qui est à partir du verset 19. Il dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Jean 4, verset 9. Nos pères ont adoré cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que adorerait le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous voyez cela? Et c'est cela que nous devons comprendre, effectivement, que même la Bible dit, en fait, à qui appartiennent l'adoption, les alliances, ainsi de suite. Vous vous souvenez, non? Donc, effectivement, si nous avons la parole de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas venu de l'Égypte ou, je ne sais pas moi, d'Italie ou je ne sais pas de quel pays, mais c'est venu, effectivement, d'Israël, effectivement, de ce peuple-là. Et ce peuple, maintenant, était un peuple qui, lui, était vraiment consacré en se disant que nous sommes le peuple choisi des dieux. Et comme Dieu nous a choisis, ben, nous allons arriver certainement avec ces dieux. Quoi qu'il en soit, cela sera ainsi. Regardez quelle chose qui s'est passée, qui est tellement touchante et qui était vraiment inattendue, en fait. Dans la pensée et du peuple d'Israël, auquel je pense que, j'aime parce que l'Écriture dit, mais ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Auquel, je voudrais simplement votre attention, je vais simplement parler un peu plus, allons prier, je vais les partager. Vous, soeurs, vos frères, je veux votre attention. Alors, il dit que ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Israël, ce d'Israël, ne pouvait jamais imaginer parce que Dieu était. Et il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est-à-dire que pour eux, c'était vraiment chez eux que Dieu va tout faire. Les autres nations, c'était de rien du tout. Ils en étaient convaincus au plus profond, même dans les veines, ainsi de suite. Mais jamais ils pouvaient penser ce que nous allons dire. Regardez bien au chapitre 11, il dit ceci, regarde. Verset 11, même 11, verset 11, il dit. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, aux romains, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous l'ai dit à vous, païens, prêtez attention, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère. Je lis le verset 13. Je voulais dire à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car, si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie?
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, nous en avons parlé quand nous avons lu la rosée. Vous ne vous souvenez plus de la rosée quand nous avons lu le troisième jour, il nous relèvera. Vous vous souvenez. Amen. Alors nous relisons maintenant ici l'écriture. Oh oui, frère, c'est vrai. Verset 16, il dit, oh, si les prémices, écoutez très bien, maintenant écoutez très bien. Verset 16, oh, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, vous comprenez? Amen. Toi, nous relisons le verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, quelle sera leur intégration, sinon le passage de la mort à la vie? Le troisième jour, vous savez cela, frère? Amen. Bon, on va parler. Mais or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, tu es? Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, n'oubliez pas, la racine est sainte. Vous comprenez? Et toi, tu es l'olivier sauvage. Maintenant, il dit, mais si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, est rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Vous comprenez cela? Amen. C'est important que nous saisissions cela, mon frère et ma soeur. Et maintenant, écoutez la suite. Et ne te glorifie pas au dépens de ces morts. Amen. Écoutez bien. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, Amen. Mais que c'est la racine qui te porte. Amen. Alléluia. Amen. Tu diras donc, mais les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Amen. Vous voyez cela? Amen. Maintenant, écoutez la suite. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Vous suivez, frère? Amen. Et nous suivons dire, et toi, tu subsistes par la foi. Amen. Maintenant, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Amen. Mais ce suivant dit, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, frère, ça doit nous frapper, ça. Amen. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, nous continuons, il ne t'épargnera pas non plus. Est-ce que vous voyez l'image, frère? Est-ce que vous saisissez? Nous continuons. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Vous avez remarqué cela? J'aime bien quand j'ai dit lisez la Bible pour l'amour de Dieu, frère. Je relis le verset 22. Il dit, considère donc la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Il a placé les deux choses. Hein? La bonté de Dieu, Dieu est bon, mon frère. Mais c'est Dieu est aussi sévère. Parce que, regardez bien comment il a manifesté d'abord son amour. Regardez comment il a agi avec le peuple d'Israël. Donc on montre effectivement que c'est Dieu. Il a un caractère. Ce n'est pas un bon. Il y a un moment, effectivement, il est bon. Mais quand il y a une chose qui concerne effectivement la parole, il est ferme et sévère à ces choses. Et quand il doit agir, il agira. Et pensez pas qu'effectivement, que parce que nous avons chanté, c'est vrai, nous avons chanté. Mais quand Dieu doit agir dans la colère, si tu n'as pas fait les choses conformément, tu passeras. Amen. Ah oui, certainement, c'est vrai. En fait, nous nous donnons beaucoup plus en fait, d'essence nous-mêmes. Voyez, nous continuons d'abord. Écoutez bien. Considère donc la bonté et la sainteté de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais là, écoutez bien. Si tu demeures ferme, d'abord, vous avez réalisé ici que au verset 20, il nous dit, cela est vrai, ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. N'est-ce pas vrai? Amen. Et nous continuons la lecture maintenant, il dit, verset 20, dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Donc, ça mon frère et ma soeur, il ne parle plus en rapport avec, par rapport aux juifs, mais non, il parle à nous qui avons cru. Amen.
À toi, mon frère, à toi, ma soeur, fais de pas ta partie. Il dit, mais de toute façon, Dieu m'a choisi ainsi parce que il est dit que je suis flanc que j'étais, qu'il est venu chez les nations, et j'ai reçu les nations. Donc, moi, je suis sauvé, et je pense comme je pense, j'irai au ciel. Non, monsieur, c'est comme ça qu'il pensait aussi. Les Juifs, Israël pensait aussi comme cela. Et pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, frère, ne suivez pas la religion, mais soyez conscients de ce que vous avez comme relation avec Dieu. Amen. La religion va vous détruire. Votre même pensée à vous vous détruiront. Mais soyez conscients de ce que Dieu fait en vous. C'est une grâce quand Dieu peut te reprendre. Amen. C'est vrai. C'est une grâce, mon frère. Quand tu es dans une mauvaise voie, que Dieu te ramène dans la bonne voie. Et ici, il dit, mais écoutez, je lis en commercial, il dit, mais si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent être retranchés? Mais c'est à cause de l'incrédulité. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, l'olivier sauvage, tu sois greffé, hanté à l'olivier fort? C'est quoi? Mais la foi. Amen. La foi dans quoi? Mais dans la parole de Dieu. Amen. Vous savez, la foi n'a pas la même logique que moi. Je suis un homme, j'ai une logique effectivement, mais la logique de la foi, elle est contraire. Parce que, excusez-moi, comment Abraham pouvait croire à la parole de Dieu alors qu'il était vieux? Logiquement, ce n'est pas possible. Mais la foi a une autre logique, effectivement, qui lui fait savoir, mais ta logique à toi ne peut pas comprendre. Mais en fait, le Dieu qui a créé l'homme, il a la capacité de renouveler les cellules. Donc il y a un raisonnement qui est tout à fait différent de la logique humaine. Ça, c'est le raisonnement qui vient de la foi. Si Dieu a fait ceci, il est aussi capable de le faire. Donc là, ce sont des choses différentes. Mais quand on mélange effectivement l'intellect avec la foi, alors à ce moment-là, la vérité prend la place. Ce que je vois me dit effectivement que ce n'est pas possible. C'est normal, parce que l'intellect a réellement réagi par rapport à la logique qui est différente de la foi. Alors, là, il dit ici, verset 24, il dit, si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon ta nature, ce que vous êtes en haut. Vous suivez? Amen. Et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc. Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. Parce qu'il n'y a pas voix dite. Hein? Parce que l'écriture est assez claire. Moi, l'olivier sauvage, c'est vrai. Amen. Avec ce que nous. Aujourd'hui, nous servons qui? Par les dieux de l'Italie ou le dieu de la Belgique. Nous servons le dieu d'Abraham. Amen. C'est vrai. Le dieu que nous avons, c'est le dieu d'Abraham. Amen. Donc la parole que nous avons ne vient pas de nous, elle vient de là-bas. C'est vrai ou pas? Amen. Amen. Donc, Dieu, nous qui étions effectivement des sauvages, effectivement, il nous a pris effectivement pour nous greffer sur l'olivier franc. Et regardez bien, il dit, si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. La racine, si elle est sainte, la masse aussi, elle est aussi sainte. Donc, s'ils ont été greffés et ramenés effectivement à leur nature originale, les choses sont différentes. Et toi, tu es l'olivier sauvage. Greffé effectivement sur cela, il dit, Verset 6, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, et une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit donc entrée. Parce qu'ils avaient eu l'endurcissement, c'est pour ça dans le livre des Hébreux, le Seigneur dit ceci que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Nous sommes effectivement les gens des nations, comme nous le savons. Dieu travaille avec nous. Mais en fait, frère de ça, ce que vous ne devez pas ignorer, que ce qui s'est produit avec Israël, est aussi la chose qui peut aussi se reproduire aussi avec nous, les gens des nations. Parce que c'est pas que je t'appelle, mais la Bible le dit ici. Écoutez bien, nous lisons verset 22, chapitre 11, il dit, mais considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi tranché. Comme ça s'est passé aussi avec eux aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Mais la parole de Dieu leur avait été prêchée. En fait, lorsque l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu, effectivement, ce n'était pas parmi les nations. C'était à Jérusalem. Là où, effectivement, on a pu voir l'Église prendre réellement aussi les hommes, c'était à Jérusalem. Ils ont vu la puissance, ils ont vu Jésus-Christ de nouveau en action au travers des hommes. Donc la parole a été prêchée, la pure parole. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous ramène à la foi le Père apostolique. C'est vrai, non? Donc la prédication que les apôtres ont prêchée, c'était là le fondement, monsieur. Donc ils ont eu aussi ça. Non seulement cela, mais ils ont eu le Maître lui-même, le Seigneur lui-même, qui était en scène et qui leur a apporté effectivement aussi la parole, parce que la parole que les apôtres ont apportée, effectivement, c'est la même parole que le Maître avait apportée. Et là, maintenant, dans une dimension où le Saint-Esprit a pris le contrôle, parce que le Seigneur lui-même, venant dans ses apôtres et prêchant, effectivement, la parole. Puisqu'ils ont rejeté la parole vivante qui s'est manifestée, effectivement, au travers. Et maintenant, Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu parmi nous au travers sa parole qui a été prêchée par les apôtres et se manifestant encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous réalisons que dans ce temps dans lequel nous vivons aussi, le Seigneur a... Mais j'ai toujours eu à pouvoir lui dire effectivement que quand vous voyez même la photo qui a été prise, effectivement, nous voyons que dans le ciel, c'est le visage de quelqu'un, avec les yeux, avec la bouche. Vous vous souvenez, non? La parole de Dieu qui a été prise effectivement à l'Arizona, là-bas, ainsi de suite. Donc on voit effectivement que ça, c'est Jésus-Christ lui-même se manifestant effectivement comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et parlant effectivement qu'il n'a pas changé, accomplissant que ce que j'ai eu à pouvoir faire au travers des apôtres, effectivement, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai continué encore jusqu'à la fin des temps, effectivement, comme il a fait la promesse en réalité, qu'il est jusqu'aujourd'hui encore, puisqu'il est le même. Amen. À moins que nous ne croyons plus. Mais puisqu'il est le même, effectivement, mais il continue à pouvoir le faire. Mais ce qui est aussi extraordinaire et aussi touchant, c'est que, mais il le faisait en présence de gens comme vous et moi. Ils avaient les yeux pour voir, mais ils ne voyaient rien. Paul et Barnabas, ils n'ont pas prêché effectivement aux arbres. C'était aux Juifs, mais c'est aussi la parole de Dieu. Ils écoutaient aussi, ils regardaient aussi. En fait, comme vous me regardez aussi. Ils disaient, mais c'est pas possible. Pierre, Paul, on voit quand même, c'est un homme, Barnabas, c'est un homme. En fait, c'est cela le danger, mon frère et ma soeur. C'est cela le danger. Parce que, à force de regarder avec les yeux naturels, effectivement, on n'arrive plus à absorber ce que Dieu nous donne. Parce qu'on voit l'humain, c'est sûr et certain. C'est le piège, effectivement. Et cela qu'ils n'ont pas compris. Israël n'a pas compris cela. Il était là. Vous êtes assis, vous me regardez, certainement, vous entendez effectivement combien les témoignages vous avez entendu. Ça vient. Mais là, c'est devenu comme une habitude. Hein? Mais c'est vrai, ma soeur. Même si c'est vrai, il dit oui, c'est vrai. Si on est là, oui, c'est vrai, frère, c'est vrai. En fait, parce que, mais regardez, frère, ça se dit, les gens qui sont loin, en connexion, c'est quand même surprenant que la personne, il est en train de lire chez lui à la maison, dans un appartement. Au bout de moi, je ne connais pas. Et là, il lit, et puis, le chapitre de l'essai, il ne l'a pas. Il cherche, il dit, Seigneur, aide-moi, je voudrais quand même trouver. Il dit, mais je ne sais pas comment faire. Il dépose la Bible au même moment. Il dépose la Bible, il entend, effectivement, on l'entend, il dit, voilà, ce chapitre tel, verset tel, effectivement, que nous lisons, et nous comptons la prédication. Et puis, ça dit, il dit, mais qui a dit à cet homme? Mettez-vous à sa place. Il dit, mais moi, je pense ici, chez moi, à la maison. Cet homme là-bas, à l'étude, effectivement, il s'arrête pendant que moi je pense, il me dit voilà, c'est ça et ça. C'est pas quand même un homme. Amen. Amen. On peut bien penser, parce que c'est comme je pense le frère Lombo qui est effectivement, le frère Lombo qui était chez lui, vous vous souvenez, non? Amen.
J'étais dans mon bureau, hein. Il était malade, mourant, effectivement. Il m'appelle, il me dit, pasteur, je voudrais que tu viennes prier pour moi parce que je ne sais pas bouger, je ne sais rien faire ici, ainsi de suite. Vous connaissez tous les deux. Alors, j'étais dans mon bureau, je dis, mes frères, je ne connais même pas où tu habites. Comment veux-tu que je vienne chez toi à la maison? Il dit, je veux que tu viennes prier pour moi parce que je ne suis pas bien, je crois que je vais entrer le choc de mon vie. Je dis, mes frères, je ne sais pas où tu habites, mon frère. Et puis je dis, mais puisque tu es au téléphone, lève-toi, assieds-toi, je vais prier pour toi. Je lui ai dit comme ça. J'étais dans mon bureau, puis je me suis levé. J'ai pris mon téléphone, puis bon, ben. Et je commençais à prier pour lui. Et quand j'ai terminé de prier, j'ai dit, voilà, frère, maintenant, tu vas te lever, tu vas manger, effectivement, la nourriture, et puis bon, ce soir, Dieu voulant, on va se voir. Il était dans un état très critique, problématique. Bon, j'étais pas là. Je crois que 5 minutes après, mon téléphone dans mon bureau sonne. Il dit, frère, j'ai dit, oui, mon frère, mais tu es où? Je dis, mais je suis dans mon bureau, parce que tu m'appelles. Il dit, non. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, tu étais ici, dans ma chambre, ici. Là, et tu me dis, effectivement, bon, ne t'ai-je pas dit de t'élever? Je t'ai regardé, vous m'avez dit, oui, frère. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que quand tu m'as dit, assieds-toi, j'ai pris pour toi, je ne m'étais pas assis. Mais puis tu viens, je te vois, non, je t'ai fait debout. Dans ma chambre, tu dis, mais ne t'ai-je pas dit de pouvoir t'élever et t'asseoir? Et puis, il dit, oui, frère. Puis, paf, tu sors, tu disparais. Et puis, tu m'avais dit, mais après que je prie pour toi, tu vas te lever, tu vas manger. J'entends la porte chez moi, on frappe à la porte. Alors il dit, je me suis levé pour aller. Et je demande, mais qui? Il dit, c'est ma soeur qui venait chez moi. Il me dit, je viens t'apporter la nourriture. Comment tu as su que j'avais besoin de nourriture? Il dit, non. Et quelqu'un est passé me dit que tu avais besoin de nourriture à la maison. Et il dit, c'est comme ça. Il dit, mais pasteur, c'est pas possible. Il dit, mais tu n'es pas venu. J'ai dit, je ne suis pas venu, je suis chez moi à la maison. Mais il dit, mais tu étais ici, mais répétant la même chose. J'ai dit, c'est pas moi. Amen. C'est le Seigneur. Amen. Et vous savez, ça a créé des problèmes, vous connaissez ça, non? Oui. Les gens ont parlé, c'est pas possible, le frère, il fait ça, c'est de double. Il est le sorcier, c'est pas de problème, vous connaissez ce que c'est. Oh, il est sorcier, ceci. Oh, les prédicateurs se sont mis. Dieu aime cela. Il laisse passer, effectivement. Quelques temps après, ils ont découvert que William, avant de parler de prophète, a eu la même chose. Amen. Mes frères, nous servons le Dieu vivant. Amen. Nous n'avons pas à faire, alors, nous, je suis un homme avec toutes les faiblesses, non? Mais quand Dieu entre en action, ça n'a rien à voir avec l'homme. Il s'agit effectivement de Dieu. Qui peut arriver à aider ce frère là-bas au fond? Il dit, mais maintenant, écoute, tu sais la Bible, maintenant, c'est tel verset. Mais vous savez, la première fois, il dit non, mon Dieu, mais c'est quand même comme. C'est un hasard. Deuxième fois. La même chose se répète. L'homme, effectivement. Mais ce frère, vous doutez, vous, mais l'homme cherche, effectivement, mais je sais. Et puis, là, on entend encore ici, non, écoutez, ce chapitre tel, lisons tel verset. Finalement, vous savez ce qui est passé? Il dit, la crainte m'a envahi. Là, il s'est rendu compte qu'il était dans la présence de Dieu. Amen. Et ce qu'il écoutait, ce n'était pas l'homme. Donc, moi, je ne suis pas omniscient. Moi, je suis avec vous ici. Amen. Mais celui qui est dans différentes maisons, c'est le Seigneur. Amen. Reconnaissez, mon frère, amen, et ma soeur, que le Seigneur est à l'œuvre. Et que quand je vous dis que vous ne voyez pas l'homme, la personne qui est ici, vous ne le voyez pas. Mais ici, c'était toujours quelqu'un. Amen. Et c'est que beaucoup de gens ne croient pas, mais c'est 100% vrai. Amen. Et nous avons une grâce, tous effectivement inclus, c'est que le Seigneur vient, nous parle effectivement, et nous montre, frère et soeur, si Dieu n'était pas avec nous, nous serions encore dans l'égarement aussi loin, comme beaucoup d'autres, effectivement, aujourd'hui, qui sont dans les doctrines à gauche. Nous n'avons pas de doctrine particulière. Non. Notre absolu est la parole. Amen. Amen. Nous ne dénigrons pas un prédicateur. Non. Surtout pas, comme on dit, le prophète, je le respecte parce que ce ministère est un précieux ministère. Amen. Donc, nous mettons les choses de Dieu à leur place, pas que nous le faisons, mais le Saint-Esprit. Amen. Frère, ma soeur, toi tu es une femme, tu ne peux pas être un homme, tu ne peux pas sentir les désirs d'un homme être masculin. Parce que tout ce qui est en toi, tu es pour être une femme. Amen. Tu vas mettre des talons parce que tu es une femme. N'est-ce pas vrai? Amen. Moi, je ne peux pas mettre des talons, c'est anormal. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ce qui est en toi, tu pousse à mettre. Vous voyez quelque chose. Non, je ne vais pas mettre. La jupe, c'est pour vous. Amen.
Amen. Donc, la chose, vous êtes bien dans la jupe. Amen. C'est vrai. Amen. Dans la robe que vous avez, les jupes avec vos talons, vous n'avez rien à vos chaussures. Et c'est normal. Mais vous voyez un homme qui est là, qui commence à se mettre dans. Il y a un problème. Amen. Il faut dire qu'effectivement, que l'esprit féminin qui est en vous vous pousse à pouvoir agir comme une femme. Amen. Amen. Donc, vous ne pouvez pas agir comme un homme. Si vous laissez comme un homme, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un esprit mauvais là. Mais quand c'est l'esprit, parce que Dieu a retiré l'esprit féminin. Alors, donc quand c'est l'esprit féminin, c'est normal. La femme est comme ça, elle a ses cheveux, si tu vois un homme. Et il y a un souci. L'homme, non, la femme est comme ça, le bruit, voilà le pommade, les ceci, c'est sa nature. C'est écrit d'ailleurs, c'est sa nature. Mais l'homme, c'est l'homme. Amen. Vous comprenez? Amen. L'homme agit comme un homme. Donc, quand Dieu maintenant agit en toi avec l'appel, je voulais toujours dire ici, frère, le ministère que Dieu m'a donné, je le sais. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs qui ont une expérience aussi semblable à ce que moi j'ai eue. J'ai toujours eu de répéter depuis toujours, mais quand le Seigneur, lui, parce que moi je ne peux pas, je ne suis pas l'éveil, je sens être prédicateur. Non, monsieur. J'ai toujours. Le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu à moi. Oui, monsieur. Oui, madame. Et j'ai entendu, il n'était pas en blanc, mais en rouge. Donc, mon ministère a une portée, je vous l'ai dit, dans cette église, a une portée. Je ne peux pas faire ce qu'un autre fait. Je ne peux pas non plus fabriquer quelque chose. Je fais ce qui est conforme à ce que Dieu veut que je fasse. Donc, je me tiens, effectivement. C'est pas que, oui, parce que, vous savez, la plupart des temps, les gens cherchent à pouvoir voir des amis, ceci, on fait tous ensemble, vous savez. Je ne peux pas faire ça. Je me tiens là où Dieu veut que je me tienne. Alors, s'il y a des élus de Dieu que Dieu a prédestinés pour que nous travaillions ensemble, eh bien, nous nous mettrons ensemble. Amen. Nous irons ensemble. Vous êtes des témoins ici. J'ai jamais cherché des problèmes à qui que ce soit. Non, non. Mais c'est toujours des gens, comme mon frère, tantôt, on l'appelle, et puis on lui parle, et puis finalement, c'est pour. On est, ses frères, on a au bout. Il dit, mais tu m'appelles, moi, pour me sonder. Pour que je te parle du frère Léonard, en fait, de me parler de lui. Il raconte des vrilles, plus jamais ne m'appelle. Donc, la personne cherche à pouvoir sonner pour le pousser, effectivement. Il dit que Dieu le garde toutes les bouches. Nous devons être conscients de ce que Dieu est en train de faire pour nous, en fait. Parce que le temps sont tellement mauvais, nous devons acheter le temps. Et l'action de Dieu n'est plus pour trop longtemps. Nous devons être dans la condition. Vous savez, les frères et sœurs, si nous faisons des compromis et de vivre la parole comme les autres, effectivement, vivre effectivement, vous n'avancerez jamais. Vous ne verrez même pas le Seigneur. Vous verrez autre chose que le Seigneur. Et s'il faut voir le Seigneur, Dieu doit nous traiter de mal. Et si cela est ainsi, alors nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et en plus, nous devons reconnaître que Dieu ne parle pas à tout le monde, il parle aussi. Ceux qui sont de Dieu entendent, il a dit, mes brebis entendront ma voix. Et quand ils entendent ma voix, ils ne vont pas suivre la voix d'un étranger. Nous sommes appelés à cela. Et nous, dans cette assemblée, nous avons une responsabilité de ce que nous avons, ce que nous recevons de Dieu, de pouvoir aussi vivre cela et partager aussi avec les autres. Afin que ceux qui sont de Dieu, à l'extérieur, puissent aussi arriver à pouvoir aussi entendre et voir. Et si nous ne le faisons pas, nous, mais le Seigneur lui-même le fait lui-même. J'ai reçu un email aujourd'hui, moi je ne connais pas, et je crois qu'il a transmis cette question, je lui ai donné à mon frère. Ça vient de l'Inde, effectivement. Il s'appelle Andrews Van Damouche. Il m'écrit en me disant, voilà, je vous écris parce que je vais venir vous visiter aussi en Belgique, ainsi de suite, mais j'avais écrit demandant à un monsieur qui s'appelle Guillaume Pereira pour lui dire que voilà, je vais venir visiter en Belgique, effectivement. Et il dit, c'est monsieur Guillaume Pereira, il lui écrit, il dit non, moi je ne peux rien faire pour vous, voici l'homme qui peut faire tout pour vous,
Il m'a donné votre adresse et votre coordonnée, votre site. Alléluia. Il s'appelle Guillaume Pereira. Je ne connais pas. Guillaume Pereira. Je peux vous donner l'email. Il m'a dit, si vous le trouvez lui, il est à mesure de pouvoir vous aider tant dans le domaine spirituel et aussi en rapport avec l'aide d'invitation pour le visa. Frères et sœurs, vous ne réalisez pas le monde qui nous entoure. Les gens que vous ne pouvez pas penser, mais qui écoutent la parole de Dieu. Vous êtes un témoignage pour beaucoup. Alors, retournons vers le Seigneur. De tout notre cœur, et conformons la volonté de Dieu pour que Dieu puisse atteindre réellement son objectif au travers de nous par sa parole. Que ce soir, le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous soutienne et qu'il vous fortifie. Je prie pour que Dieu nous accorde la grâce que nous puissions avoir une vie. Amen. Je n'ai pas beaucoup entendu. Amen. Amen. Oui, vous vous souvenez quand nous avons eu un programme à l'autre. Parce que simplement c'était un vendredi, comment Dieu a agi. Comment il a eu un pouvoir. Il faut que nous sortions effectivement de ce train-train. Et que nous entrions vraiment. Nous avons besoin de beaucoup prier pour que le Saint-Esprit puisse vraiment prendre possession de nous. Nous voulons vraiment voir davantage. Vous savez, j'ai à cœur de prier pour cela. Ça me fait très mal quand j'entends des frères qui souffrent de ce qu'on appelle allergie, du pollen. Donc il y en a beaucoup ici qui souffrent de cette sorte de choses-là. Et je voudrais que nous puissions prendre le temps de prier. Amen. Afin que cette chose-là devienne. Amen. Nous avons le désir que le Seigneur nous apporte là-bas. Parce que chaque année, toujours, allergie. Celui-ci, il a des yeux qui picotent. Il ne sait pas dormir. Il a des ici et des cela, les visages qui gonflent, ainsi de suite. Que notre Dieu nous apporte. Amen. Pour que nos enfants puissent être aussi protégés. Ils aillent bien à l'école et que tout se passe bien, que nos frères aussi travaillent bien et que Dieu puisse également les aider aussi. Les bonheurs, nous allons prier. Que le Seigneur nous accorde.